funk me. Viens apprendre funk me. Come learn funk me. Bonjour tout le monde, dans l'oubimé Tchelemi, vive en fond grandi à J'espère que vous allez bien. Ben écoutez, moi ça va super bien. Je suis contente de vous retrouver dans la classe de Waplo Fongwe pour continuer notre apprentissage du fond. Et vive le milieu, Wamo Bimebi, Lofi, Bomina, Plon Fongwe, Aéroport. J'espère que vous prenez soin de vous puisque nous en avons besoin pour pouvoir continuer d'être ensemble, de partager ces moments de joie, de gaieté et d'apprentissage de notre Fongwe ensemble. Donc, tout de suite, je vais vous dire que nous allons continuer dans l'apprentissage des bases du Fongwe. Nous allons continuer sur l'essentiel, les fondamentaux du Fongwe pour pouvoir nous améliorer et pour pouvoir aider ceux qui ne parlent pas encore le Fongwe à vite s'acquérir et bien s'acquérir des bases du Fongwe. La dernière fois, nous avons appris l'alphabet en Fongwe. J'espère que vous avez bien pris substance de ça et que vous vous êtes beaucoup entraîné dessus, car cela vous aidera à pouvoir lire déjà le Fongwe et pouvoir déchiffrer et ensuite comprendre le Fongwe, que ce soit écrit ou que ce soit dit. Donc, et si vous êtes nouveau, j'oubliais, si vous êtes une nouvelle personne qui passe par ici, n'oubliez pas, abonnez-vous déjà sur nos pages de réseaux sociaux. Et si vous avez envie d'exercer, vous avez envie de pratiquer, vous avez envie de manier le fond, vous pouvez nous rejoindre dans un forum que nous avons appelé Fongwe Hosta, un forum où vous pouvez échanger sur les cours que nous partageons chaque semaine. Donc, je compte sur tout un chacun de vous pour pouvoir le faire. Et tout de suite, je vais vous parler du cours de la semaine qui concerne la morphologie du Fongwe. Oui, la morphologie du Fongwe. Donc, pour communiquer en Fongwe, on dispose de deux groupes d'unités significatives. Celui des verbaux qui exprime une action ou un état. Ensuite, vous avez les nominaux qui englobent tous les autres éléments du système. Une particularité rend l'apprentissage du Fongwe relativement facile et elle réside dans le fait que les verbaux et les nominaux ne subissent aucun changement morphologique. Ils ne connaissent ni flexion de mode ou de temps, ni modification due au nombre ou au genre. Tous ces aspects étant plutôt indiqués par des marques ou particules pré- ou post-posées. Donc là, c'est beaucoup de français. Hein. Pour dire au fait que les nominaux et les verbaux sont fixes. Et peu importe, comment on les emploie, eh bien, on ne les change pas. Ils ne subissent pas de changement. Et vous remarquerez justement que pour la conjugaison des verbes, vous avez un tableau qui est juste là de pronoms personnels. J'ai déjà eu à faire un cours justement sur les pronoms personnels que vous pouvez revoir, bien sûr, que je mettrai juste en haut là. Vous pouvez revoir, mais là, nous allons vraiment en profondeur, nous allons savoir le pourquoi du comment. Donc, ça servira également de révision pour ceux qui avaient déjà appris. Donc, vous avez le « je » qui se dit « hum ». Vous avez le tu qui se dit a. Vous avez le il ou elle au singulier qui se dit e. Vous avez le nous
qui dit mi, 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 mi. Vous avez ensuite le vous qui dit mi, mi, mi. Et vous avez le il ou elle au pluriel qui dit yé, yé, yé. Donc vous allez remarquer entre le vous et le nous, il y a c'est mi, mais il y a une différence de tonalité. Donc le nous au fait, un ton qui descend au fait, un ton descendant. Et le vous est un ton ascendant. Du coup, faudrait faire la différence. Quand je dis mi, c'est nous. Mi, c'est vous. Mi, c'est nous. Mi, c'est vous. Donc là, faudrait faire l'exercice et vous allez y arriver tout simplement. La classe justement des verbaux distingue les présentatifs et les verbes. Donc les présentatifs sont au nombre de trois. Voilà. Vous avez en français le voici, le voilà et puis le c'est. Donc le voici, en fond, ça se dit die. Die, die. Le voilà, ça se dit né, né, né. Et le c'est, ça se dit ouais, ouais, ouais. Alors que né et ouais peuvent servir à présenter un nom, un prénom, un verbe ou toute une phrase qui n'est servir que pour le nom et le pronom. Donc, si vous comprenez bien, en fond, né et ouais peuvent servir à présenter un nom, un pronom, un verbe ou toute une phrase, alors que die n'est utilisé que pour le nom et le pronom. Donc là, je vais vous donner des exemples sur chaque. Donc die, voici la clé. Chavio die, chavio die, chavio die. Donc chavi, c'est la clé. Die, donc du coup, voici la clé. Chaviodie. Et ne, pour dire voilà. Donc voilà la clé. Chavione. 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 Et pour le c'est qui est ouais. Donc c'est la clé. Chavioué. Chavioué. Chaviowe. Donc, pour un autre exemple des trois présentatifs, vous avez pour Dijon, voici tout. Bidier. 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 Voilà tout. Biné. 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 C'est tout. Biwe. 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 Donc, voilà. Egbeton biné. Voilà, ce serait tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser suivre la suite du programme passant par la page publicitaire. Et moi, je vous retrouve juste après pour votre proverbe en fond B. Je vous dis à tout de suite. Le cadre de l'organisation de la deuxième édition des Journées récréatives des oubliés de Noël, devenez donateur en nous aidant à donner de la joie aux enfants des quartiers défavorisés du Bénin. Un don est égal à un sourire donné à un enfant. Un don est égal à un Noël de gagné pour un enfant.
Faites-nous parvenir vos dons en nature ou en espèces par Mobile Money au plus 229 66 07 34 44. Merci et nous comptons sur vous. Du nouveau pour vous, chers amis de la diaspora africaine en Europe et partout dans le monde. Africa Market Innovation. Africa Market Innovation. Votre nouveau supermarché en ligne qui ouvrira ses portes au www.supermarketafrica.com. Avec ses rayons bien achalandés de l'alimentation passant par la mode, la cosmétique, la beauté, l'art, la décoration, la spiritualité, la librairie et bien d'autres encore. Oui, Africa Market Innovation est votre ami du quotidien. Africa Market Innovation, l'Afrique s'invite chez vous. Market Innovation, let's go. Africa Super Market, all is so good. Nadi Création. Vous êtes à la recherche du fait maison, vous êtes à la recherche du spécial, de l'exceptionnel. Plus une seconde à perdre. Dirigez-vous chez Nadi Création. Là-bas, vous aurez des rayons de lingerie africaine, de colliers artisanaux, de vêtements, de chaussures, d'objets d'art et bien d'autres encore. La boutique Nadi Création est située à 100 mètres de la clinique de l'Union, en face du temple baptiste, en venant de l'échangeur et en allant vers Étoile Rouge. Nadi Création est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. Contact plus 229 95 81 12 77. Nadi Création et vous serez tout simplement satisfait. Sagesse béninoise, proverbe fond. Noué, zizi, bénin, toton. Wisdom of Benin, fond proverbe. Le proverbe du jour, c'est Roi di reo, non le wa ho rea. 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 C'est pour dire que la pierre qui a manqué l'oiseau ne revient pas en arrière pour le frapper. La pierre qui a manqué l'oiseau ne revient pas en arrière pour le frapper. La pierre qui a manqué l'oiseau ne revient pas en arrière pour le frapper. Donc, comme à l'accoutumée, j'attends vos réactions sur le proverbe de la semaine. J'attends que vous m'envoyez soit par WhatsApp, par mail ou en dessous dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre. N'oubliez pas également, partagez la vidéo, ça nous donne de la force, ça nous encourage à continuer parce que croyez-moi, c'est pas facile, c'est pas évident, mais partagez, soutenez-nous ainsi et nous continuerons à nous mettre au service de la communauté ainsi. Donc, n'oubliez pas, likez également, commentez et dites-nous ce que vous en pensez et ce que vous pensez qu'on pourra également améliorer à tout ceci. Je compte sur vous, nous comptons sur vous et puis je vous dis merci et na tchenoumi kaka et à la semaine prochaine.